Ok, donc t'as lu le titre, aujourd'hui nouvel épisode de Live Compo. Alors comme sur le dernier Live Compo, je vais utiliser un sample de Igla parce qu'ils sont vraiment lourds. On va refaire un truc avec une mélo un peu douce et des drums qui tabassent pour avoir un bon contraste. Et du coup, comme je l'ai dit la dernière fois, j'ai sorti un concept qui s'appelle New Gen qui permet de mettre en avant des artistes émergents. Et du coup, le premier épisode est sorti, il présente Noji, donc n'hésitez pas à aller le voir. Et il y en a d'autres qui arrivent très très bientôt. Du coup, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de New Gen et c'est parti. Ok, du coup là c'est le pack que Igla m'a envoyé. Du coup, j'ai choisi cette loupe. Non, c'est trop. Bah du coup, on se retrouve direct sur FL. Ok, donc là, le BPM, c'est 155. On va commencer à faire des petits cuts, juste pour avoir les différentes parties. Attends, sinon je vais faire ça. Ouais, ça faut que je le mette à l'intro, ça. Ah, je sais sinon ce qu'on peut faire. On va décaler tout ça, en fait. Et là voilà, on va faire ça. Et du coup, là, on va décaler juste les petits trucs au-dessus là. Ça, on va le mettre pour le couplet, pour la deuxième partie du couplet. Du coup, on va le mettre al comme as. Ça, on va le remettre. Et ça, c'est quoi, il y a des petites percussions à la fin qu'on va mettre pour le pré-ref. Et là, on va juste faire, c'est quoi, un petit mix en vite fait. Alors, là, il y a déjà des effets assignés. On va laisser juste le portal et le halftime. On va créer une petite automation. On va mettre que le halftime pour le début du couplet. Voilà. Elle est pas trop dans les temps non plus, attends. Voilà, c'est mieux. Je pense que c'est bon, on va juste, c'est quoi, dupliquer comme as. Ouh, non, c'est vénère. Et là, on va le remettre. Parce que là, c'est comme si c'était un couplet, tu vois. Ok, tu sais quoi, on va passer aux drums direct. Hein. Du coup, pour les drums, tu sais quoi, on va commencer par les hats. J'ai envie de faire les hats aujourd'hui. Hop, on va aller dans le DK Diraz. Hop, on va prendre une petite counter snare. Elle est pas mal, là. Ah, sinon, je sais ce qu'on peut faire. On va faire ça. Tout, tout, tout. Ouais. Et là, on va prendre les Welcome to the Party là. Ok. Non, c'est vénère. Mais c'est quoi, on passe à la snare. Attends, j'en ai une, je crois. Elle est sec quand même, tu vois. Je trouve qu'elle passe quand même sur des trucs comme ça parce qu'elle est très rapide. Oh non, elle est vénère. Vas-y, c'est quoi, on va passer au petit open hat. Prendre un classique, comme as. Lui, je l'aime bien aussi. On va le mettre al. Ah, je sais ce qu'on va faire. Quand le kick il tape, on va caler un petit open hat. Voilà, lui. On va le caler quand on va mettre le kick après. Là, on va juste faire la petite enveloppe. Ok. Ok, tu sais quoi, on va passer au kick. Le kick, je pense que sur la template, c'est déjà celui que j'aime bien. Voilà, le Nasty, classique. Ouais, je vais faire ça. Là, on va caler, du coup, j'ai dit le petit open hat. Et en plus, c'est vrai, je me suis rappelé, il y a un petit FX que je cale. Ouais, tu sais quoi, on va mettre le petit FX que j'aime bien. Ok. Je pense que là on est bien là. Bah du coup il reste que la basse, c'est mineur. Ok. Je vais quand même caler un autre kick je crois au début là. Ouais, comme ça c'est mieux. Ok, je pense que c'est bon hein.
Oh non, elle est puissante, elle est puissante. Je crois que c'est bon en vrai de vrai. Hein. Franchement, le sample, il est vénère de ouf. Igla, il est vraiment très chaud parce que là, les samples qu'il a envoyés sont vraiment boostés. Et les drums sont vrai assez classiques. Hein. Drill classique. Ah non, c'est puissant. Et après, voilà, hein, toujours les FX de la prod, hein, compris dans la template. Ça, c'est trop obligatoire, ça, frère. Sinon, les transitions, elles seront vraiment nulles. Du coup, on s'écoute ça. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la prod en commentaire. D'ailleurs, la prod entière est dispo juste ici. Il y aura aussi un lien en description pour l'écouter ou même l'acheter. N'oubliez pas de liker la vidéo parce que vraiment, ça peut la booster pour que le plus de gens la voient. Et n'oublie pas de t'abonner parce que là, de grosses vidéos arrivent. On continue les live compo. Parce que franchement, j'aime trop ça. J'ai une petite vidéo et en plus, je fais une bonne prod. Et là, les prods qu'on a fait sur les derniers live compo, non, elles sont trop. Et comme j'ai dit à l'intro, NewGen, c'est une plateforme qui permet de mettre en avant les artistes émergents. Là, le premier épisode est sorti avec Noji, n'hésitez pas à aller le voir. Il y en a d'autres qui arrivent très bientôt. Allez vous abonner pour donner de la force, ça me ferait vraiment plaisir. Et du coup, on s'écoute la prod, c'est parti. Non, c'est doux. Refrain. Ouf. Les petites percussions.